Merci de nous consacrer un peu de temps et de venir dans notre studio de la World Policy Conference. Il paraît que c'est votre première fois. Est-ce que vous pouvez d'abord donner votre impression sur la conférence, puisque vous venez de sortir de scène et vous avez tout un programme tout au long du week-end, puisque nous sommes là pour 3 jours. Qu'est-ce qui vous a marqué déjà? Il y a de la densité hein, dans les propos. Il y a une très grande vivacité d'esprit. Il y a de l'intérêt. C'est une très très bonne conférence. Et le fait qu'il y ait comme vous des chefs, des personnalités politiques, mais également des chercheurs, des représentants d'entreprises, est-ce que ça change justement, parce que vous voyez souvent entre personnalités d'un même groupe ou d'un même État ou d'une même région, qu'est-ce que ça apporte? Oui, nous en fait les mondes se croisent. On avait un panel avec business qui précédait le nôtre. Et donc, à notre panel, on avait un général, on avait un ministre, on avait deux ministres, un général. C'est très, très bonne diversité d'intervenants. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose de très différent d'autres. Oui, dans ce sens que ça reflète le monde tel qu'il est, en fait. On a accès à tous les acteurs en même temps qui discutent du même sujet. C'est la première condition si on veut s'entendre. Votre sujet principal ici, puisque vous venez de sortir de scène, était le Sahel. Oui. Je cite quelqu'un qui était sur scène ce matin, qui disait « L'Ukraine nous a montré que « when there's a will, there's a way ». Si on veut, on peut. Est-ce que ça vaut aussi pour le Sahel? Oui, absolument. Ça vaut pour le Sahel. Il ne faut pas seulement qu'il y ait un vœu. Il faut qu'il y ait un vœu et puis des objectifs communs. Il faut que tout le monde soit d'accord sur la finalité en fait, de l'aide. C'est vrai que l'Ukraine a prouvé que tout le monde est d'accord pour sauver ce qu'on entend de la démocratie. Pour le Sahel, on a encore besoin de trouver des accords communs. Et je crois que c'est ce qui explique le fait qu'on n'est pas encore d'accord. Est-ce que c'est parce qu'on connaît moins bien peut-être la situation Non, c'est parce qu'il y a des intérêts encore divergents. Il y a donc des intérêts des anciens partenaires. Il y a des partenaires qui sont nouveaux, qui veulent remplacer des anciens partenaires. Il y a donc des effets d'aubaine. Hein. Donc non, il y a beaucoup de choses. Par contre, il faut mettre un petit peu d'ordre, il faut coordonner tout cela, en sachant que soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Est-ce que justement la crise climatique, vous avez parlé de la géopolitique, mais la crise climatique, ça peut être une façon de s'unir autour d'un objectif commun puisqu'elle nous touche tous? Alors, je dirais que la crise climatique, c'est un accélérateur. C'est quelque chose qui nous oblige à aller encore plus vite. Parce que la crise climatique, pour faire simple, dans certaines régions, ça veut dire des mauvaises récoltes. Donc, ça veut dire encore plus d'insécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment un accélérateur. Il faut aller encore, encore plus vite. Vous pouvez donner un autre exemple dans votre pays, comment vous ressentez le changement climatique? Oui, le changement climatique, nous sommes donc dans le golfe de Guinée, où donc, il y a des phénomènes assez simples. Hein. Vous savez, la mer avance, hein. La mer avance sur la terre, ce qui veut dire qu'il y a des exploitants agricoles qu'on doit reloger. Et puis, on a Déjà maintenant. Et donc, ça ne fait que produire un peu plus d'inefficacité. Pourquoi? Parce qu'on n'a déjà pas assez de récoltes. Alors, quand il y a un exploitant qui doit arrêter ses récoltes parce qu'il doit se reloger, ça fait encore moins. Et donc, non, c'est vraiment un sujet. Le monde géopolitique, je reviens quand même sur cette question-là, se recompose. Dans quel sens vous voyez les choses évoluer? On parle souvent de la Chine versus les États-Unis. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de pouvoir autre que ces deux-là qui émergent? En fait, la vérité, quand on parle de nos régions, quand on parle de développement, ce qui est important, ce n'est pas la nationalité de la main qui est tendue. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la main qui est tendue. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce qu'il y a dans la main qui est tendue permet de faire avancer la personne qui est en nécessité? En fait, c'est ça le vrai problème. Et je vous dirais que, et c'est un thème qu'on a abordé tout à l'heure, c'est vrai que les personnes en nécessité dans nos régions, c'est d'abord et de loin la question alimentaire. La nutrition, il faut nourrir nos populations. Il y a un boom démographique
Aujourd'hui, il y a déjà un grand déficit en termes de souveraineté alimentaire. Et si on n'accélère pas, si on n'améliore pas la productivité, si on n'apporte pas plus de ressources, dans 30 ans, on aura le double en fait, de population qui sera encore plus affamée. Et alors attention, il faut savoir, c'est un danger bien sûr pour nos régions, mais c'est un danger pour tout le monde, parce que ceux, quand ils ne sont pas contents chez eux, ils deviennent des migrants, et ce n'est jamais une bonne nouvelle. Donc le succès du développement, c'est d'être capable de fixer les populations dans leur région d'origine et de faire en sorte qu'elles trouvent dans leur région tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir. En fait, c'est la base. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.